nous avons décidé, avec le gouvernement, en accord avec le conseil scientifique, de confiner 16 départements, à savoir un confinement, 7 jours sur 7. Il est fait bien. Mais vous aurez un couvre-feu décalé à 19h. Vous pourrez également sortir de chez vous toute la journée, sans limitation de temps. À 10 km maximum de votre domicile. Vous pouvez sortir, bien entendu, mais tout sera fermé. C'est ça. C'est donc les nouvelles mesures qui ont été prises hier par le gouvernement, en accord avec le chef de l'État et le conseil scientifique. Ce qui veut dire que vous pouvez sortir dehors, marcher, et c'est tout. Quand vous serez arrivé à l'endroit où vous deviez aller, vous retournerez chez vous. Vous pouvez faire 10 km, d'accord? Vous pouvez faire 10 km également dans la même rue. D'accord? Voilà, donc c'est les nouvelles consignes du gouvernement. Donc voilà comment ça va se passer. Donc, qu'avez-vous prévu? Donc, ce week-end, qui va aller marcher? Ça veut dire, on va s'appeler, frérot, on va marcher 10 km. Bah ok, frérot, bah c'est fait, allez, on y va, on se retrouve. Non, c'est un truc de fou. Hein. Alors donc là, et la bonne nouvelle, nous allons décider. Ah, ça y est, c'est reparti. Avec le président de la République, en accord avec le conseil scientifique, ainsi que Franck Provost, Jacques Dessange et laboratoire Schwarzkopf de laisser les coiffeurs ouverts jusqu'à nouvel ordre. C'est comment ils se sont réunis. Ils ont dit, ouais, bon, on fait quoi avec les coiffeurs, hein? Les mecs, parce que là, j'ai un délire. Moi, je vous cache pas, là, il y a Marine Chappal à lever la main, là, en conseil des ministres. Les gars, moi, j'ai un lissage brésilien mardi, là. Donc, on fait comment, là? Moi, je veux bien, les mecs, mais là, j'ai une barre j'ai la bar mitzvah du petit Ben Chetrit à Tel Aviv vendredi prochain. Si je vais pas faire le lissage mardi, je suis battu. Donc bon, écoute, pour Marlène, on va donc, en accord avec le conseil scientifique, garder les coiffeurs ouverts.